Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous faire un tutoriel sur AutoCAD, mais je vais vous faire une présentation d'un projet que vient de lancer Autodesk il y a une semaine, qui s'appelle Pedalfly. C'est un projet que je trouve super intéressant. C'est la possibilité de pouvoir éditer, imprimer, envoyer, collaborer avec un projet DWG. Donc une fois qu'on s'est enregistré, comme dans n'importe quel site, il faut se loguer donc avec son email et un password. Donc on arrive sur une page qui va se présenter donc avec les informations récentes. Donc j'ai fait un import de fichiers DWG. Et vous pouvez remarquer qu'il faut mieux éviter les accents, car il y a des problèmes de typologie. Autrement, donc, on a tout ce qui est news, donc les imports sont marqués. On a quelques petites vidéos de présentation en anglais et les plans qui ont été uploadés. Donc ces trois plans-là sont des plans importés par défaut par Autodesk. Donc c'est les démonstrations des possibilités, que ce soit dans le SIG, que ce soit dans la mécanique ou que ce soit dans le bâtiment. On va prendre le bâtiment pour faire la démonstration après. Donc là, on est dans Home. Si on va dans Drawing, on va voir qu'on a la possibilité d'organiser, de supprimer, de faire du copier-coller, d'envoyer par mail ou de downloader des projets qu'on voudrait récupérer après modification ou des projets qu'on aura en commun avec d'autres personnes. Il y a des options de présentation, tout ça. Un extraordinaire, donc on peut en fait en sélectionner un, faire open, donc il y a un tout petit temps de téléchargement, enfin de chargement. Tout ça est quand même assez fluide, moi je trouve. Donc on va retrouver les rubans comme on peut les avoir sur AutoCAD, mais de façon simplifiée. Mais les outils, l'un dans l'autre, se ressemblent quand même beaucoup. Même si ce n'est pas exactement la même chose, on retrouve la même philosophie. Pour l'instant, ce que je trouve le moins au point, on va dire, c'est le zoom, qu'ils ont voulu progressif, donc j'imagine que c'est pour des raisons techniques, mais que moi je trouve pas forcément très très pratique, et suivant la souris que vous utilisez, ça peut vite devenir galère. On peut voir que on a les mêmes possibilités de sélection sur AutoCAD, c'est-à-dire ou une sélection de tous les objets qui se trouvent dans la fenêtre ou tout ce qui touche à la fenêtre. On peut cliquer directement sur un trait, avoir la possibilité de le redimensionner, d'en faire un miroir, de l'éditer, mais même déjà en sélectionnant directement le trait, en cliquant deux fois dessus, on s'aperçoit qu'on peut le modifier, que ça, on peut le sauvegarder, et que ça marche très bien. Donc on va voir que là, on n'a pas forcément d'accrochage objet, mais qu'il a été prévu ici. Pour l'instant, je ne trouve pas très concluant non plus, parce que je pense que tout ça n'est pas encore au point. Ça fait bien sûr partie d'une expérience que fait Autodesk. Donc, ce n'est pas un outil finalisé, mais très prometteur. Donc, on va pouvoir retrouver tout ce qui est open, save, la sélection, le fait de bouger, la rotation, la polyligne, le rectangle, le cercle, les éditions de texte, tout est modifiable.
Donc vous verrez toutes les options qui sont possibles. Donc vous voyez qu'on pourra avoir aussi l'import de fichiers JPEG, ZIP, parce qu'il gère aussi les Xref, ce qui est quand même assez costaud, qui est quand même très agréable. Travaillons énormément avec des Xref et l'obligation maintenant de le faire. Donc vous allez voir que au niveau des éditions, des vues, on va avoir vraiment énormément de possibilités. Et avec le share, vous verrez que la possibilité de collaboration est assez impressionnante et on se dit que dans l'avenir, les possibilités de ce logiciel seront vraiment très 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 intéressantes. Et même ils ont pensé au cloud. Donc voilà. Donc ça c'était une petite présentation parce que je l'avais présenté sur mon blog de ce projet Butterfly. Vous voyez qu'on a une timeline qui nous permet de revenir en arrière de nos actions. On peut imprimer. Donc c'est vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à aller sur leur blog qui est en lien ici. Donc voilà, c'était la présentation du projet Butterfly d'Autodesk. Bravo à eux parce que c'est vraiment très 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 prometteur. Merci.